Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle dégustation du Beery Christmas. Vous connaissiez certainement la saison du pont, ou peut-être même la moinette ou la moinette bio, mais aujourd'hui on vous a proposé la bière de miel bio. Voilà, et comme tu l'as dit Florian, donc ça vient de la brasserie du pont, et plus exactement de la ferme brasserie du pont. Et ce qu'il faut savoir par rapport à cette bière, donc c'est qu'elle est faite à partir d'éléments biologiques. Alors effectivement, c'est très important pour la ferme brasserie du pont, comme tu l'as précisé, d'avoir des ingrédients de qualité, et notamment aussi d'avoir toute une gamme de bières biologiques. Donc qui n'utilisent que des matières premières bio. Alors déjà, on est sur une jolie robe dorée, légèrement trouble. Oui, légèrement trouble, avec voilà, surmontée d'un joli col de mousse assez délicat. Alors on est tout de suite frappé par le côté imposant des levures belges, mais ce qui va vraiment voilà, finir le nez, c'est vraiment cette petite touche de miel très délicat. On est quand même sur des dominantes plutôt épicées, on utilise vraiment des produits de qualité, le nez est vraiment très beau, très bien fait, c'est très harmonieux. Alors en bouche, on est sur quelque chose de à la fois malté et épicé, voilà, donc on est typique sur des levures belges. Et ensuite on va aussi avoir des petites touches un peu plus herbacées. Alors la petite touche de miel, on la sent vraiment, mais elle est vraiment très délicate en fait. On pourrait s'attendre, quand on vous dit bière de miel, à une bière qui est lourde, avec un goût très sucré, mais en fait pas du tout, on est sur quelque chose d'élégant, de raffiné. Alors en plus c'est une bière qu'on pourrait marier avec pas mal de plats, je pense. Oui, c'est vrai qu'elle elle est assez facile à marier, par exemple avec un fromage. Elle passerait très très bien avec un fromage, surtout les fromages de chèvre. Ah. Et après, n'hésitez pas aussi à la marier avec des plats sucrés salés, comme un canard à l'orange par exemple. On vous laisse vous faire votre petite dégustation de votre côté. On se retrouve demain bien sûr pour une nouvelle dégustation. A demain et bonne dégustation.